Ouais. Mais un tout petit peu, donc. La corde à linge chanta dans l'air glacé lorsque les sœurs la touchèrent. Les tabliers qu'elles y avaient étendus à sécher s'étaient blottis les uns contre les autres dans le froid. Ils étaient entortillés et raidis par le gel. Venus de l'océan, le vent du nord s'était acharné sur eux toute la nuit et les sœurs essayaient de deviner ses méthodes. Avait-il d'abord soufflé du nord, puis de l'est, et achevé de les tordre par de longues bourrasques du sud? Ou bien avait-il opéré en sens inverse? Elles regardèrent autour d'elles dans toutes les directions, comme si elles espéraient voir le vent lui-même en chemin, avec une tête et une queue, mais il s'en était allé par-delà les abruptes montagnes, bien avant l'aube. Seul restait le gel qui crissait sous leurs pieds.